Nous parlons du nouvel album de MXD qui s'appelle The Extent of Damages avec Solex pour les machines, avec également Duja pour le guttural, la voix, les cordes vocales dans un état qu'on n'essaiera pas de décrire. Justement, l'album s'appelle The Extent of Damages, l'étendue des dégâts en gros en français. Autrement dit, avant même qu'on ait commencé à en entendre une première note, il y a déjà, on nous annonce déjà la couleur, ça va mal. Est-ce que ça va vraiment mal ? Nous, ça va bien, c'est la planète qui se porte un peu moins bien, d'où l'idée de la pochette de faire une espèce de Rubik's Cube, si tu veux, en forme de planète, ou c'est plutôt la planète qui ressemble au Rubik's Cube, histoire d'imager un peu ce côté apocalyptique ou pré-apocalyptique qu'on vit. Puis l'étendue des dégâts, c'était une manière pour nous aussi de faire une forme de bilan après 5 albums, c'est le 6e, et de se dire, tiens, on en est où, c'est génial, on est toujours en vie. L'étendue des dégâts, donc, au sein du groupe aussi un peu quand même. Là ça va, non, je trouve qu'on est dans une phase d'amitié, de bonheur, de plaisir, de partage, de solidarité et d'amour. Je confirme. Célébré notamment par le morceau The Light, qui n'est rien d'autre qu'une ode à notre amitié. Est-ce que vous avez un regard sur ce que font les deux autres en matière de texture sonore ? Est-ce que ça vous arrive de leur dire, comme sur ces deux dernières chansons de l'album d'ailleurs, les gars, qu'est-ce que c'est que cette musique de Bisounours ? Non, c'est justement moi le gros Bisounours dans l'histoire, je crois souvent. Moi j'aime bien la pop aussi, hein. Donc c'est pas trop difficile de les convaincre d'avoir sur chaque album un morceau un peu plus calme. En même temps, c'est pas une démarche de se dire voilà, on va faire un morceau calme qui doit passer à la radio. Ces morceaux-là, il y en a toujours eu sur les albums d'MXD. D'ailleurs, c'est raté, ça passe pas à la radio aussi. Bah si, parce qu'on a quand même toujours des amis dans le service public. Et puis, il faut quand même dire aussi que c'est des morceaux qu'on a choisi de faire par envie musicale. C'est pas du tout... Ça correspond à une façon d'aller sur un marché plus pop ou commercial. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On fait ce qu'on veut, on prend le temps de le faire et on a du plaisir à le faire. Solex, on parle un petit peu du son quand même parce qu'il est quand même très présent, c'est un élément important on va dire pour le moins de la musique de MXD. Il y a des choses très abrasives, il y a des choses très rapides et en même temps si on se laisse un petit peu porter, si on se laisse un petit peu hypnotiser par la brutalité de la musique, on arrive à distinguer un groove qui à mon avis fait partie des choses importantes également dans ce que vous faites. Ouais, bon, parce qu'il y a toujours une espèce de recette que j'applique quand je fais un morceau de MXD. Je compose beaucoup de morceaux pour beaucoup de projets. Il y a très peu rentre dans le créneau MXD, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette espèce de nuage qui survole cette musique où on peut identifier le truc en se disant « Ah ouais, ça sonne vraiment comme du MXD » parce que il y a très peu de morceaux. D'ailleurs, on a mis beaucoup de temps à faire cet album parce que les morceaux, ils sortaient pas forcément très, très facilement, quoi. Donc, le groove, ouais, c'est une des choses les plus importantes dans MXD puisqu'on est surtout axé sur le live. Pour que ça pulse un maximum quand on est sur scène en fait. L'album c'est juste un prétexte. Il y a des citations, plutôt des citations que des pillages. On entend James Brown, non ? C'est ça, à un moment. Qui est responsable de ça ? C'est vous ? Ouais, c'est moi, ouais. Alors, on cherchait un sample à mettre, et puis vu que le morceau, déjà, il y avait du thrash metal et du raga, je me suis dit, bon, écoute, on va foutre un petit sample de James Brown pour finir. Et ça sera... Un truc pas connu qui se fera pas repérer, d'ailleurs, par les avocats. Exactement, ouais. Non, mais là, on risque rien, absolument rien du tout. Parce qu'il est mort ? Non, parce qu'on peut dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Hein. Parce qu'il aime MXD. Parce que James Brown aime MXD, c'est pour ça qu'on en... Il en est mort. Autre citation, Led Zeppelin. Oui, un petit clin d'œil. Ah bah oui, c'est un gros clin d'œil appuyé même. Ouais, bah tout à fait assumé. Enfin, je veux dire, voilà, quand j'ai fait à Soleil, j'ai dit, ouais, là, j'ai envie de dire, voilà, voilà, de love. Moi, ça me dérange pas. On fait déjà une musique de pirates et de pilleurs et de vikings dans une certaine mesure, où on prend tout ce qui nous plaît dans chaque style. Là, de faire un petit clin d'œil, c'est clair, de reprendre All Out of Love comme ça de Led Zeppelin, ça c'est pas intéressant à faire, mais d'instiller des petits bouts, de choses, des petits clins d'œil, des gimmicks, je trouve ça toujours assez rigolo et puis ça fait plaisir. Normalement, il y aurait dû y avoir un morceau qui s'appelle Atrabilius sur cet album qui aurait dû être une reprise de Bachung, La Nuit Je Mens. Malheureusement, j'ai pas réussi à les convaincre de le faire, c'est devenu un autre morceau, mais pour le prochain disque, on va le faire et c'est promis, il y aura des trompettes.
On dit plus autobiographie avec fiction, on dit autofiction. Il y a un mot pour parler de ça maintenant. C'est un petit peu ce qui se passe dans les textes. Je pense notamment à ce morceau, j'allais dire cette chanson, faut exagérer. Ce morceau sur lequel on entend un flic de la police de Cincinnati qui frappe à votre porte en disant faut ouvrir maintenant parce que sinon on va vraiment défoncer la porte. Ouais, c'est complètement ça. C'est une sorte d'autofiction. Heureusement pour moi, c'est donc l'histoire d'un type qui pourrait être moi, qui se réveille avec une tête dans le cul fantastique. Ça sonne à la porte, c'est les flics dans le pieu. Il y a des membres découpés un peu partout, du sang, diverses sortes de substances partout au plafond. Et j'aimais cette idée de capter le moment où le flic sonne, le mec se réveille et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et bon, à la fin, on sait qu'il va peut-être sauter par la fenêtre pour éviter au flic. Va-t-il pouvoir survivre à cette défenestration? Il faut écouter le morceau pour connaître la suite de l'histoire. Mr. Dujani, this is the Cincinnati Police Department. Could you open the door, please? Oh, no. Sir, I'm going to ask you to open this door. This is the Cincinnati Police Department. I need to get inside this apartment, sir. No. We need to get inside this apartment now. Patrick Dujani, alias Duja, votre voix, on la connaît quand même un petit peu sur la première. Bille en tête avec Philippe Ligron, c'est vous tous les matins. J'étais en train de me poser la question entre est-ce qu'il y a vraiment deux vies parallèles ou alors il y a une continuité entre d'une part la gastronomie et d'autre part la musique pour Barricade, c'est-à-dire entre les papilles et la résistance. Entre les papis et la résistance aussi, vu l'âge des gens qui écoutent l'émission. Non, moi je suis tout public, j'espère qu'il y aura des auditeurs de Bille en tête qui viendront au concert et qui continueront d'écouter l'émission, presque pas forcément garanti. Non, j'adore pouvoir être des fois là où on m'attend pas, et puis c'est clair que la musique c'est une partie de ma vie qui va pas s'arrêter. C'est le 6e album, on pense en faire plus, on a dit on arrêtera au 10e, donc après je peux faire n'importe quoi à côté, j'ai toujours cette passion-là, ces amis-là pour la faire. Donc non, c'est bien, puis en même temps c'est vrai que ça aère aussi la tête de se retrouver le lundi par exemple sur un alpage du côté du Valais, et puis le mardi soir on répète à Valorbe, en train d'hurler comme un putois. On reste quand même quelque part d'une forme de botanique appliquée vu les effluves qu'on trouve dans le local. Soft clouds sailing on a black lake. Steam stars wilting in the wrong sky. Sweet mist vanishing into dark air. Red fog closing on a swarm lake. I belong to you. You belong to me. I belong to you. You belong to me. Sitting on the top of a mountain, watching the world fall down. I belong to you. You belong to me. Sweet storm rising on a desert earth. Dead sun just starting to freeze now. A blue wind blowing like a last breath. Dry comets crashing down on pink rocks. I belong to you. You belong to me. I belong to you.
Drake. Steam stars welting in the wrong sky. The sweet mist vanishing into dark air. Red fog closing on the swarm rain.